congodialogue.com. Salut aux habitants de ce monde. C'est la troisième fois que je reviens pour m'adresser à Monsieur Katumbi. Je suis en train de t'avertir de faire très attention à tes propos contre la nation congolaise et le peuple congolais. Tu as l'argent pour acheter les médias et accorder des interviews qui sont creuses. J'aurais souhaité que tu invites sur le plateau un Congolais de ma trempe ou d'autres gens, d'autres nationalistes comme moi, comme M. Ngwanda, comme M. Christian Boula, et les autres, sur le même plateau, et discuter, si tu ne vas pas détaler de ce plateau. Tu achètes le média pour faire passer ton opinion qui ne vaut rien. Tu es un embrouilleur, un politicailleur, qui te fait passer pour un politicien. Tu n'en es pas un, monsieur. Donc moi, tu viens de reconnaître dans ce que tu as dit là, qu'il y a des Congolais qui croupissent dans des prisons souterraines. Tu es au courant de tout ça, toi. Et je me demande combien toi tu as laissé enterrer au Katanga quand tu fis un faux gouverneur. Tu dis que les Congolais croupissent pendant 8, 9, 10 ans. Ça t'enchante. Et tu promets que tu veux revenir au pays, rester avec ton peuple. Nous ne sommes pas ton peuple. Nous ne sommes pas ton peuple. La connotation que tu utilises là-bas veut dire que nous sommes tes animaux de la ferme. Nous ne sommes pas ton peuple. Moi, encore tes compatriotes. Tu n'es pas un Congolais, tu n'as aucun droit de t'immiscer dans la politique congolaise. Tu es un Zambien, tu es un Israélien, tu es un Grec, tu es un Italien, tout ça. Tu n'es pas un Congolais, on ne cessera jamais de te le dire. Tu n'as donc aucun droit de parler de la politique congolaise, parce que tu n'es qu'un intrigant et un intrus. Tu es en train de charmer les Blancs, qui sont toujours les plus corrompus du monde. Tu es capable d'acheter toute une station de télévision, toute une station de radio avec l'argent que tu as volé au Congo, monsieur. Et comme je l'ai dit, organise un débat avec un Congolais sérieux. Tu n'es pas à ta solde. Et tu verras comment tu deviendras fou sur le plateau. Tu n'es pas Congolais, tu n'es pas un Montou, du point de vue racial. Tu n'es pas noir. Tu n'es pas un Montou comme nous. En niant ta race, ça prouve déjà que tu n'es pas sérieux, monsieur. Au revoir. Ba Congolais n'y a surtout pas une baïba, il faut battre la racine nini. Ah, ce que vous dites, Congolais, à solo et Sengeli, autant la bobelle Congo dialogue. Congo dialogue? Eh, t'embêté. Aux affaires. Ce que vous dites, Congolais, à solo, au coquille, au zanga, à mon colo, mon côté, et Sengeli, autant la bobelle Congo dialogue. Oye, ba makamo, vous allez coller kakuna. Donc, www.congodialogue.com. Ce que vous dites, Congolais, à solo. Yango, wana. Vous êtes à l'objet, il faut que vous êtes Congo dialogue. Tu n'as pas ma collègue Kuna, n'a pas son athée. Autant la rappeler que Congo dialogue. T'embêté. Ata Nazali Congolais, so, Ata Bamendele qui va conquérir Kotala. Congodialogue.com.